Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour notre épisode de WWE Monday Night Raw. Nous sommes en direct de Santa Clara, Californie. Et voici Kane, Daniel Bryan aussi présent ce soir. Kane qui devait avoir un match. Daniel Bryan qui fonce dessus. Daniel Bryan qui fonce dessus. Oh le coup dans le dos. Daniel Bryan qui n'a pas fini. La vengeance est à plat qui se mange froid, je vous l'avais dit. Donc ce soir nous avons la suite des matchs de qualification pour l'Elimination Chamber, pour le titre de la WWE. Alors que là, Daniel Bryan qui s'approche de l'escalier. Qu'est-ce qu'il fait près de l'escalier? Alors, Kane, Daniel Bryan, les deux ne sont toujours pas réconciliés et ça ne risque pas un fourchement. Ils ne risquent pas de se réconcilier dans des tas comme ça. Kane. Oh, le coup de chaise! Encore le coup de chaise! Encore un! Oh. Et le coup de la corde à linge! Oh là là! Oh, Daniel Bryan, tu veux pas en finir! Oh! L'arbitre qui dit stop! Bon là! Oh, il pousse l'arbitre! Et le combat continue! Le combat continue! Ouh! Voilà, Atomic Drop! Le combat continue sur du ring! Mais qui va les arrêter? Qui va arrêter ces deux fous qui sont sur ce même ring? Attention! Daniel Bryan! Suplex! Non, Bryan, il va prendre l'escalier. Non, Bryan, non. Deviens pas hardcore comme ça, Bryan. Ou Kane. Kane qui a réussi à contrer. Kane qui a réussi à contrer le coup d'escalier. Oh, le coup d'escalier dans la tête de Daniel Bryan. Ou encore un coup d'escalier. Encore un coup d'escalier. Du Bryan qui est complètement détruit. Ouf. À droite, Daniel Bryan qui a l'escalier. Daniel Bryan qui a l'escalier en main. Non, Bryan. Non, Bryan. Non, Bryan. Fais pas ça, Bryan. Oh! Oh, le violent coup d'escalier. Dans la tête de Kane. Ouh. Ouh, doit faire mal celui-là. Il a dû faire mal ce coup d'escalier. Ouh. 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 Oh, la tête de Kane. Qui a dû pas mal souffrir. Bryan. Souplex. Ouh. Assez violent déjà, on commence le show, on commence ce WWE Monday Night Raw assez chaud hein, quand même, faut l'avouer, hein. C'est déjà assez hardcore je trouve. L'arbitre qui fait rien, qui regarde, oh, alors que le combat entre Bryan et Kane continue. Oh. Écoutez-moi ce public. Ouh, le high knee de Daniel Bryan. On a pu entendre ces chants yes du public. Le public qui était à 300% derrière Daniel Bryan. Qui vient de faire sa revanche, de faire sa vengeance de ce qu'il a subi lors de WWE Revenge. Je pense que ça fait que commencer. Déjà la semaine dernière, Bryan nous avait dit que la guerre entre lui et Kane va juste commencer. Et là on est bien parti pour continuer au moins jusqu'à WrestleMania les amis. Donc nous passons à notre premier jeu de soirée. Donc voici d'abord les Usos, laissons faire leur cas. Et donc voici les Usos. Et voici donc leurs adversaires du soir. L'équipe en forme actuellement. Tyson qui naît Cesaro. Ben voilà, l'équipe en forme. L'équipe en forme de ces derniers temps. Donc c'est un match pour désigner le prochain challenger numéro 1 au titre par équipe détenu par le Big Show et Seth Rollins. Qui seront donc défendus lors de WWE Elimination Chamber. Ou peut-être avant, si Seth Rollins ou Big Show ont un match ou sont qualifiés pour un certain Elimination Chamber, peut-être qu'ils seront défendus avant. Le vainqueur de ce match affronteront donc les champions par équipe, affronteront prochainement les champions par équipe pour un match pour le titre. On rappelle que la team Cesaro et Kid sont un peu la team invaincue actuellement, la team un peu très très chaude. Ils ont battu donc les Primetime Players, les anciens challengers par équipe.
ils ont battu une autre équipe, je me rappelle plus qui c'est, je crois que c'était les Usos, je crois aussi. Ouais, ils ont déjà battu les Usos, je me rappelle plus. Et là, nous allons donc assister à un match par équipe pour désigner les prochains challengers. Donc là, c'est drôle, double axe handle sur Jimmy, sur Jimmy Uso. Heureusement qu'il y a le petit ATH qui est là, le surpassement de Jimmy Uso qui va donc faire le tag de son côté. Cesaro qui ne fait pas le tag, qui continue à être sur le ring. Les Uso qui sont un peu une équipe un peu, tu vois, je dis beaucoup un peu, qui sont une équipe de frères, le sang avant tout, alors que ces autres équipes sont, on va dire, l'équipe qui fait tout, c'est le genre d'équipe qui font tout à la fédération. Un gars très très acrobatique et qui est aussi très technique, Tyson Kidd, et un autre qui est très polyvalent. C'est un peu le souci de Cesaro, c'est que il est plus que polyvalent, il est technique, il est puissant, il est aérien, il est tout quoi. Il a tout ce qu'il faut, et surtout Cesaro, et qui nous font des prises par équipe dignes des plus grands. Voilà. Et au passage aussi, tiens, pendant ce match, avant que tout le monde ne quitte la vidéo, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde la vidéo, dans la description, il y aura donc le sondage pour le lien d'une prochaine tombée et un. Et non, simplement, d'une prochaine série qui arrivera sur NBA 2K16. Donc 5 équipes sont dedans. Votez pour l'équipe que vous voulez, mais réfléchissez bien, parce que les objectifs de chaque équipe ne sont pas les mêmes sur la NBA. C'est-à-dire que je ne fais pas les mêmes choix avec une équipe que avec, par exemple, une grosse équipe, je ne ferai pas les mêmes choix qu'avec une petite équipe. Voilà. Alors que là, Cesaro, revenons en match avec une apron souplex magnifiquement bien portée. Cesaro qui donc fait le tag avec Tyson Kidd, Jey Uso, le premier affrontement entre les deux, avec le combat peu gagné par Tyson Kidd, qui a envoyé Jey Uso dans le coin. La droite, sur la tête de Jey Uso, encore une droite, ouf, oh, le big boot, bien porté par Jey. Tyson Kidd, le neckbreaker, enchaîné avec le tombé. Et non, le dégagement rapide de Jey. Ouais, c'est peut-être assez. Peut-être trop vite hein, pour terminer ce match. Donc, ensuite, nous enchaînerons avec notre troisième match de qualification pour le WWE Championship. Hein. Comme vous le savez tous, hein, nous sommes en période de qualification. La Pax ou Plax. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de réalité parce qu'on est en période de qualification. Donc, c'est un peu normal. Oh, soumission, regardez-moi ça, il est en train de lui arracher le cou. Mais Jey qui arrive à résister. Heureusement pour lui, sinon ça aurait déjà pu être la fin de ce match. Tyson Kidd, souplex. Quand on disait qu'il est technique. Et donc nous revenons quelques temps après. Ouh, le Uso Crazy. Le Uso As, si on veut. Nous sommes revenus quelques temps après dans le match, que c'était. On a eu une petite pause commerciale. Et donc là, Tyson Kidd qui contre, il a de la chance. Oh, il la met au sol. Ouh, le heartlock de Tyson Kidd. En l'honneur à son papa. Ouais, je crois que non, pas du tout à son papa. À son beau-père, cousin, je sais plus. Natalia, c'est la fille de qui non, c'est la fille de Owen Hart, excuse-moi. En l'hommage à son beau-père Owen Hart. Parce que oui, c'est comme ça qu'on dit. Ouh, Uso, Jey qui arrive à contrer. On sent plein de messages, excusez-moi, hein, c'est pas vraiment professionnel. Attention, le tag du côté de Tyson Kidd, Cesaro. Ils vont envoyer Jey dans le coin. Le double info, le double hyptos, le double kick. C'est très bien porté. Cesaro qui relève Jey Uso. Il le contre magnifiquement bien porté. Magnifique contre de la part de Jey. Oh, le big boot de Cesaro. Le gros coup de pied dans sa gueule de la part de Cesaro. Ouh, le double stomp. Le double stomp de Cesaro. Ouh, magnifique. Magnifique prise. Double stomp à nouveau. Et le kick. Oh là là, magnifique. Magnifique enchaînement. On va enchaîner avec le tombé. Et un. Et deux. Et non. Jimmy qui est intervenu. Qui a donc arrêté le compte de 3 de l'arbitre. Attention. Ouh, follow slam de la part de Cesaro.
qui retourne Jay, enfin j'ai toujours du mal. J'ai attention, oh mon dieu, regardez-moi cette puissance. Ouh, Gutrun Suplex, repeat. Attention, et la deuxième, Gutrun Suplex, repeat. Regardez-moi cette puissance que dégage Cesaro. Et la troisième, Gutrun Suplex. Quelle puissance ce catcheur, il fait rêver quand il est sur le ring. Il fait rêver. Ouais, il relève encore Jay. Il va l'envoyer dans le coin. Dans leur coin. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait? La droite. Cesaro. Qu'est-ce que fait Cesaro. Oh, non, il va pas faire. Et la soupe à placer sur du ring. Ouf. Alors que nous avons le public qui chante This is awesome, évidemment. Oh, magnifique prise par équipe une nouvelle fois. Le public est complètement fou. Et ce n'est que notre premier match de la soirée, les amis. Et le public qui chante déjà This is awesome, alors que c'est que le premier match de la soirée. Alors là, ce WWE Nitro risque d'être très 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 bon comme pay-per-view. Enfin, comme pay-per-view. Comme show Big Bolt. Oh, il rentre le ring, il est de retour, Cesaro est de retour, il fait Cesaro, il va le relever. Le petit Jey Uso, il va l'envoyer dans leur coin. Oh, Jey qui arrive encore une nouvelle fois à contrer, et Atomic Drop, Reverse Atomic Drop de la part de Jey, tu es tombé. Et non, rien du tout, Cesaro qui se dégage très très vite. Heureusement pour lui, attention, coup de coude, et... coup de coude. Ouh. Et bah dis donc. Et Jay qui fait enfin le tag avec son frère Jimmy. Ouh, Cesaro qui a réussi à esquiver. Cesaro qui vont aller dans leur coin. Et une nouvelle prise par équipe de la part de Cesaro et Kid. Oh, attention. Il se bat dans les cordes. A nouveau. Coup de la corde à l'un. Magnifique prise à nouveau de la part des deux. Tyson qui attend que Jimmy se relève, mais Jimmy n'a pas voulu se relever. Le retourne en position. Et ouh, code blue si je ne me trompe pas. Le code blue, le tombé. Et un, et deux. Et le dégagement de Jimmy qui se relève. Il se relève. De ce magnifique, cette magnifique prise par équipe, enfin magnifique code blue. Oh, ils vont refaire une prise par équipe. Oh, boom, and kick. Magnifique. Oh, vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont juste énormes en termes de prise par équipe. Et un, et deux, et non, le dégagement de Jimmy. Quand je vous dis, les amis, qu'ils sont énormes par équipe, ces deux-là, ils nous donnent du... Il nous donne une de ses prises par équipe. Attention, regardez, Tyson Kidd, ouh, qui est en train d'attaquer Jey Uso. Oh, le double stomp. Il va relever Jimmy Uso. Dans le retour. Et le follow slam again by Cesaro. Il va encore l'enlever Jimmy. Il va l'envoyer dans le coin. Recul. Le percut à pleine vitesse. On peut plus. Jimmy qui est complètement capoute dans ce match. Et on va partir en l'hommage à la Hart Family. Sharpshooter. Le sharpshooter de Cesaro. Va peut-être le faire abandonner. Va-t-il le faire abandonner? Ça serait une belle victoire. Qui mériterait d'aller plus loin et pourquoi pas décrocher les titres par équipe lors de Elimination Chamber, voire avant, qui sait, peut-être que le pouvoir qui est en place donnera un match de championnat à nos deux aux gagnants plutôt que prévu, peut-être, hein, qui sait. Attention, oh, le swimming de Cesaro, dropkick, le swimming dropkick de la part de Tyson Kidd et Cesaro. Tyson Kidd qui au passage a viré donc Jey Uso et qui va enchaîner et tomber sur Jimmy. Et 1, et 2, et 3. Victoire de la team Cesaro et Kidd qui sont donc les nouveaux challengers numéro 1 pour les titres par équipe
de la WWE. Maintenant, à savoir quand auront-ils leur match de championnat, l'auront-ils bientôt ou faudra-t-il attendre Elimination Chamber pour l'avoir? Bah les amis, pour savoir tout ça, va falloir attendre, va falloir patienter, va falloir regarder bah, la suite du mode hiver, la suite, vous l'attendez tous, hein, vous l'attendez tous. Nous allons donc avoir tout de suite, maintenant, bientôt, notre premier match de la soirée, enfin notre premier match de qualification pour l'Elimination Chamber, pour le WWE Championship. Et je vous demande d'accueillir ben, les participants tout de suite. Eh oui, la semaine dernière, Kofi Kingston avait perdu son match. Ce soir, c'est au tour de Biggie d'avoir une chance peut-être de participer à l'Elimination Chamber, à son premier Elimination Chamber. La cage de l'enfer et son adversaire du soir. The man to gravity forget. Never. La sensation, the new sensation. Il a plein de pseudonymes. Never et la Biggie contre Neville. Et la cloche retentit, Kofi Kingston se réserve le ring pour Biggie. Donc, Kofi Kingston avait perdu son match la semaine dernière aux dépens de Dean Ambrose. Là, ça sera donc au tour de Biggie d'avoir peut-être une chance, hein, parce que les deux catcheurs qui sont présents ici même n'ont jamais eu, je crois... Ah non, on ne compte pas ça parce que c'est pas bon, non, je parle en réel, mais Biggie a eu vraiment son premier Elimination Chamber, mais c'était pour le titre par équipe, alors que là, pour moi, ils n'ont pas eu, voilà. Et Neville, je crois qu'il a participé pour le titre intercontinental, je ne me trompe pas, donc ça serait son deuxième Elimination Chamber pour Neville, et ça serait peut-être le premier pour Biggie s'il remporte un peu ce match. On rappelle que Elimination Chamber est un pay-per-view clé, et un pay-per-view historique, on va dire, de la WWE. C'est une situation créée par un certain... Comment il s'appelait le type? C'était le dirigeant de la WCW. Ah, je me rappelle sa gueule, même pas du nom. Je me rappelle plus du nom, putain. Oh merde, j'ai un trou. Oh, j'arrive pas. Je me souviens plus, pas grave. Il a créé The Mission Chamber. Enfin, la stipulation Elimination Chamber, la stipulation qui peut stopper, casser des carrières, raccourcir la vie des catcheurs. C'est une stipulation des plus hardcore au monde. Alors que là, Neville est en train d'enchaîner les coups de pied sur Biggie. Biggie qui fout droit à côté. Je vais aller vite chercher le nom. Excusez-moi, hein, mais je me rappelle plus du tout et j'ai pas envie que. Voilà, alors attendez. Elimination Chamber, Elimination Chamber, voilà, excusez-moi. Bon, pas me dire qui l'a créé, pardon. C'est bâtard. Alors que là, vous continuez à regarder un peu le match. Putain, c'est qui l'a créé, merde. Elle a été créée en 2002, ça je le sais. Eric Bischoff, voilà, excusez-moi, c'est revenu. Eric Bischoff. L'a créé pour la WWE. Voilà, c'est Eric Bischoff. Ouf, oh, j'ai eu un trou de mémoire, mais c'est revenu à la connaissance catchesque. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être pour un powerbomb, Neville qui contre avec un neckbreaker. Magnifique. Voilà, donc c'est Eric Bischoff. Putain, ça allait me trotter pendant tout l'épisode, sinon. Attention, il va relever donc Biggie pour peut-être enchaîner une prise de tête. Oh, le percut de Neville. Le snap, enfin le snap, le kniff. Et la souplex. La souplex un peu pour... Non, pas du tout pour ça, mais tomber. Et un. Et deux. Et non. Le dégagement de Biggie. Biggie qui est mal parti dans ce match pour l'instant. Neville qui a l'air d'avoir le dessus. Oh, le coup d'épaule. Oh, le coup d'épaule sur Neville. Il s'est fait complètement jeter. Il s'est fait combien de fois défoncer. Et là, le DDT de Neville. Magnifique, c'était très bien porté. On va essayer de le relever. Ouf. Oh là là. Il l'a mis au sol d'une puissance. Attention. Ouf. Oh, le jawbreaker. Ouf. Oh, le coup de pied dans les côtes. Alors que Neville était un peu ailleurs. Il est projeté dans les cordes. Et l'off. Le surpassement. Le surpassement. J'ai failli me tromper.
Il va relever Neville. Il va le jeter violemment dans le coin. Et c'est fait. C'est fait. Biggie qui en profite avec un enfourchement. Oh, l'enfourchement de Biggie pour revenir dans ce match. Il faut qu'il revienne dans ce match. Sur les bandes dans les cordes. Oh, le coup de la corde à linge. Ouf, magnifique coup de la corde à linge. Il attend dans le coin. Il attend que Neville se relève. Neville qui est un peu perdu. Ouh, le train vient de passer sur le corps de Neville. Le tombé. Et un. Et deux. Et le dégagement. Le dégagement de The Man to Graftifo Gats. Heureusement que Neville s'est dégagé. Wow. Souplex peut-être. Oh, oh, la souplex pour bombe. Magnifique. Oh, oh, je me souvenais pas que Biggie faisait ce genre de prise. Oh, il est en train de remonter dans... De remonter un peu, comment dire, au classement. Oh, Neville. Oh non, mauvaise position. Neville. Le spear de Biggie. Le spear entre la deuxième et troisième corde. Oh mon dieu. Il l'a découpé. Regardez-moi ce spear. Il a complètement découpé Neville. Only shit. Comme l'univers pourrait le dire. Ou ici, Zassin, mais là, il l'a découpé. Oh, il l'a découpé, Neville. Oh mon dieu. Biggie m'impressionne de match en match, les amis. Le match, concrètement, le match qu'ils ont eu face à Daniel Bryan, handicap match un peu, mais ça les a boostés, je pense. La fédération les a boostés en leur donnant plus de matchs, je pense, plus d'opportunités. Et là, ce qu'a fait Biggie, mais clairement, il a le potentiel pour être champion individuel. Peut-être encore une fois un powerbomb. Non, d'en contrer une nouvelle fois par Neckbreaker. Il peut clairement avoir sa chance, pourquoi pas, pour un match pour le titre des États-Unis ou le titre intercontinental. Faudra voir par la suite, mais il a une chance. Ouh, magnifique. Magnifique, une nouvelle fois de la part Biggie. Un magnifique bulldog. Du coup, il enchaîne. Biggie qui a repris le dessus sur Neville. Depuis qu'il l'a découpé avec ce spear, il a repris le dessus, on dirait bien. Neville qui est là sans être là. Enfin, qui est là pour essayer de tenir la cadence. Ouf. C'est pas où il est. Ouh, le coup de coude, bien porté. Un peu vicieux, mais bien porté quand même. Et ouh, oh, magnifique. Le spear contré. Il a voulu le découper dans le coin. Mais là, il a été contré par un magnifique DDT. Kofi qui intervient, évidemment. Hein. Kofi, il est là pour intervenir. Il en profite un peu. Ouf. Biggie, back suplex. Ouais, il faut faire attention un peu à leur endurance quand même. Parce que c'est peut-être des catcheurs, mais ils ont pas 36 000 poumons quand même. Alors que Biggie essaye de remonter un peu le public. Hein, parce que suite à un énorme premier match qu'on a pu avoir, le tombé. Deux, et non, dégagement. Après un énorme match qu'on a eu entre donc les Usos et donc Cesaro et Kid, ce match-là est un peu en dessous, c'est sûr. Mais Biggie qui veut peut-être essayer de remonter un public, et il l'a découpé cette fois. Il l'a complètement découpé dans le coin. Attention, et le high-up bomb. Une nouvelle fois, un petit bomb. Attention, Biggie qui est dans le coin. Qui essaye un peu de réveiller ce public. Et le train qui nous va faire passer. Le train qui a une nouvelle fois passé sur le corps de Neville. Pauvre Neville qui a pas mal subi pour l'instant. Neville. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, le powerbomb. Magnifique powerbomb de la part de Neville. Qui retourne Biggie. Neville qui va aller sur cette troisième corde. Peut-être pour le Red Arrow. Red Arrow. Et ça passe. Le tombé. 1, 2, non, même pas 2. Rien du tout. Un seul. Biggie qui a réussi à se sortir du Red Arrow. Attention, oh là là. Oh, Biggie, le coup de pied, il enchaîne. Oh, il est en position. Big ending. De la part de Biggie avec un petit replay de la prod. Avec ce... Oh, déjà que tout à l'heure, il l'a découpé avec le spear, mais là, il a complètement aplati le big ending. Et un. Et deux.
Et 3, Biggie, qui donc va participer à son premier Hail Nation Chamber de sa carrière et donc qui rejoint Dean Ambrose, John Cena et Chris Jericho, enfin Chris Jericho qui est le champion, hein, pour le WWE Championship lors de Hail Nation Chamber. Bravo à toi Biggie. On aura donc en main event notre deuxième match de qualification pour désigner donc le quatrième aspirant, enfin quatrième, ah oui, le quatrième participant de Hail Nation Chamber. Et donc la semaine prochaine, on aura notre dernier match de qualification pour désigner ben, le dernier participant de ce Elimination Chamber match. Encore bravo à toi Biggie. Nous on se retrouve. Ben. Ah, on me dit dans l'oreillette que René Young est va être en direct avec Daniel Bryan pour une petite interview. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interview de Daniel Bryan. Et donc voilà, nous avons pu avoir l'interview de Daniel Bryan. Nous passons donc à notre troisième et avant-dernier match de la soirée. Un match de diva. On a pu voir que Tamina est arrivée et donc elle affrontera Brie Bella accompagnée de sa sœur Nikki. Donc ils ont l'air de s'être réconciliés toutes les deux suite à ben, leur match lors de Revenge, qui était vraiment un très très bon match entre un match de sœurs. Elles ont l'air de s'être réconciliées. Donc Tamina contre Brie Bella, c'est parti pour le match. Donc je rappelle que ce match est un match, ben, si Tamina remporte, elle pourrait être la prochaine challengeuse au titre des Divas. Donc si vous entendez aussi un décalage au niveau du visuel et de l'audio, ben, au niveau du son, du gameplay, c'est normal. Moi, le gâteau m'a fait une petite farce et il m'a, on va dire, décalibré tout ça. Donc va avoir un petit décalage, mais uniquement pour ce match, j'ai réglé le problème. Voilà. Et pour la petite information, alors que là nous avons un magnifique armbar qui est donc qui est sorti par Brie Bella. Brie Bella qui va envoyer donc Tammy dans les cordes. Ouh, le knee dans la gueule. Le knee dans la gueule de la part de Brie Bella, l'actuelle championne des Divas et même qui a un règne assez long. Faut le dire parce que Hail Nation Chamber, ça fera donc 3 mois qu'elle a été championne. Elle a gagné le titre lors de TLC, on rappelle. Ouf, le coup de pied dans les côtes. Non, je me retrouve tout le temps. Elle a gagné le titre lors de Survivor Series, donc ça fera bientôt 4 mois de règne. Pour une diva, c'est assez long, je trouve. Tamina va-t-elle gagner? Va-t-elle avoir une chance pour titre des diva? Va-t-elle remporter si elle gagne le match? On ne sait pas. Alors que là, oh, à l'extérieur du ring. Ouh, les divas qui vont se fighter à l'extérieur du ring. C'est rare, mais on aime bien, nous, on aime bien le catfight. Catfight. Ouf, Brie Bella qui a pris la barre d'insécurité, Neckbreaker, bien portée par Tamina Snuka. Ouf, elle l'écrase encore. Enfin, il donne un coup de pied dans les côtes, quoi. Tamina, ouf. Ouf. Oh, Tamina. Oh, qui est envoyé dans la barrière d'insécurité. Et Brie Bella qui est venue casser le compte de l'arbitre. L'arbitre va être obligé de recommencer à 1 pour continuer le catfight sur le ring. Et ça, moi, je dis pas non, les gars. Et Tamina qui lui renvoie l'appareil. Ouf. Coupé dans les côtes. Le percut. Brie Bella qui prend la tête. Qui envoie Tamina dans la barrière. Tamina qui compte. Lost Press. Lost Press de Tamina Snuka. Oh, Brie Bella qui réussit à contrer. Qui retourne dans le ring. Et qui casse encore le compte de l'arbitre. Mais c'est des vrais folles, ces deux-là. C'est des vrais folles. Le coup de coude de Brie Bella. Brie Bella. Snap souplex. Extérieur du ring. C'est deux vrais tarés. C'est pas possible. C'est des tarés, ces deux-là. Ils adorent ce fight extérieur du ring ou quoi. Coup de coude encore. Ouh, la droite. Encore envoyé dans les barres d'insécurité. Tamina qui contre. Qui revient dans le ring. Que fait Brie Bella? Elle bug. Elle est en train de bugger là. Brie Bella qui est en train de bugger. On est à 8. Brie Bella qui est complètement en train de bugger sur le ring. Ou qui veut pas rentrer dans le ring, ça on le sait pas.
10. Ok, 10. Ok, Tamina a gagné par décompte extérieur. Donc Bribella n'a pas voulu continuer le match. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce match pourri? Bon bah Tamina a battu Bribella. Il y aura sûrement un match revanche lors du prochain épisode de Raw. Il y aura sûrement un match revanche entre les deux. Vraiment pour qu'il y ait un beau match. Parce que là, je peux pas donner un match de championnat à Tamina sur cette victoire. Je peux pas, donc j'espère que... Donc il y aura sûrement un match revanche la semaine prochaine entre les deux. Voilà, c'est clair. Il y aura un match revanche. Je peux pas laisser un match comme ça, quoi. Une fin comme ça, je peux pas. Et donc nous revoilà pour la suite de... Et la fin, ben les gars, c'est the main event of the evening. On se retrouve donc pour le main event de WWE Monday Night Raw, le quatrième match de qualification pour l'Elimination Chamber, pour le WWE Championship. On a pu voir Sheamus, et voici son adversaire du soir, l'actuel United States Champion, Curtis Axel. Ils vont pouvoir à nouveau s'affronter, les deux rivaux, avec l'ancien champion des États-Unis et l'actuel champion. Oh, surpassement, l'actuel champion des États-Unis, on a pu voir un petit moment texte, si on veut, entre Triple H et Seth Rollins, où Triple H a dit: t'inquiète Rollins, je vais te donner une chance d'avoir un match pour le titre, soit des États-Unis, soit de la WWE, à toi de me dire lequel tu veux. Et lequel tu veux comme match, enfin comme titre. Moi, je vais m'occuper du Black Dragon. Il va voir ce que c'est de s'en prendre à The Authority. Donc je pense que on va s'approcher d'un Black Dragon contre Triple H à WrestleMania. Je le sens tellement venir, les amis. Je le sens tellement venir. Oh, Spinebuster de Curtis Axel. Ce match est important pour les deux parce que Curtis Axel est l'actuel champion des États-Unis. Il serait donc sa première participation dans un Elimination Chamber et pourrait peut-être, pourquoi pas, remporter le titre de la WWE et être champion de Raw, qui sait. Et Sheamus, lui, a besoin de renouer avec la victoire, pourquoi pas battre le champion des États-Unis, comme ça s'il perd lors de Elimination Chamber, s'il gagne ce match, hein, bien sûr, il pourrait pourquoi pas demander un match pour le titre des États-Unis puisqu'il a battu le champion. Et franchement, ça lui ferait du bien, je pense, de gagner. On va voir ça tout de suite pendant ce match. Alors que là, Sheamus qui fait un enchaînement de comptes sur Curtis Axel. Ou coup de coude dans le dos. Sheamus, il le met sur ses épaules. Salmon Drop. Magnifique. Le tombé. Et un. Et deux. Ouh, trop. Ouh. Oh là, oh, Sheamus qui dit qu'il y avait trois, mais l'arbitre dit non. Non, il y a deux. Il a levé l'épaule quand il fallait. Ouh, heureusement, il le retourne. Ouh, Curtis Axel qui essaye de se relever tranquillement, putain, j'ai du mal. Et sur ce tablier. Ouh, il l'a pris. Regardez-le. Neckbreaker. Ouh, Springboard Neckbreaker. De la part de Curtis Axel qui est en train de piétiner Sheamus. Il le traîne au descend du coude. Descend du coude. Il le relève. Ouf. Oh, le coup d'avant-bras. La droite. Sheamus qui est pas content. Sheamus. Spinebuster. Le tomber. Non, rien du tout. Rien du tout. Curtis Axel qui arrive à se dégager très facilement. La droite dans les côtes de Sheamus. Et souplex. Très belle souplex de la part de notre ami Curtis Axel, qui est contré très très vite par Sheamus. Sheamus. Oh là là. Il va lui démonter l'articulation du genou, quoi. Il est bien parti, hein, pour lui démonter l'articulation. Sheamus. Back suplex. Ça, c'était beau.
Ça, c'est beau de voir ça, le tomber. Et un, et deux. Et non, le dégagement du champion. Le dégagement du champion, toujours présent. Représente. Ouh, le coup de genou. Le coup de genou. Et coup de genou. Comme ça, la petite droite un peu. Sheamus qui commande du coup de la corde à linge. Sheamus qui a réussi à contrer. Descendre du coude, descendre du genou, putain. J'ai un peu de mal là. Descendre du genou de la part de Sheamus. Sheamus en position. En position pour le White Noise. Magnifique. Il va enchaîner avec le tombé. Et un. Et non, le dégagement. Le dégagement, le kick out. Le kick out du champion. Heureusement que le kick out était là. Oh, parce que sinon, il était un peu dans la merde. Et backbreaker! Ouf, Sheamus qui en veut. Oh, il est en train de lui détruire. Enfin, lui aplatir la tête contre le sol. Oh, le pauvre. Oh, le bro kick! Le bro kick esquivé! Attention! Attention, coach Sassol! Perfect plex! Le tombé! Et un! Et deux! Et ton! Simplement deux! Le dégagement. Le dégagement du Celtic Warrior. Heureusement qu'il a eu le dégagement réflexe. Ça aurait pu finir sur ça quand même. Le bro kick esquivé par un magnifique. Magnifique. Perfect plex. De son papounet. Hein. Mais bon. Il n'a pas réussi à concrétiser. Toute une corde. Ouh, double axe handle. Enfin, oui, descendre des deux avant-bras. Et un. Et deux. Et non, le dégagement à nouveau de Sheamus. Axol qui a du mal. Axol qui a du mal dans ce match. Il sait plus quoi faire pour essayer de gagner ce match. Sheamus. Ouh, balai to balai souplex. Très bien porté. Très bien porté de la part de Sheamus. Va le relever. Il va le relever. Le champion. Le champion. Ouh, le coup d'épaule. Coup d'épaule du champion. Descendre du coude. Magnifique. Grandiose. Attention. Ouf, il est un peu fatigué. Il va être envoyé dans les cordes. Dropkick, oh c'est beau. Oh c'est beau de voir des dropkicks comme ça les amis, c'est magnifique. Ouf. Oh il a visé le genou. Il a visé encore une fois le genou du Curtis Axel. Attention, il veut le retourner. Oh, ça je le sens mal les amis. Ça je le sens très mal. Je parle surtout pour Curtis Axel qui va être dans la merde. C'est moi qui vous le dis. Ça continue, va être dans la merde. Et ouh, my fucking god. Tombé. Oh, simplement de. Enfin, simplement rien du tout, excusez-moi. Simplement rien du tout. Oh oh. La croix irlandaise. La croix irlandaise. Ouh, la croix irlandaise qui est partie. Enfin, qui a été portée. Je sais même s'il peut en finir, il peut en finir sur ça, il peut finir sur cet impact. Le tomber. Et un. Et deux. Et non, le dégagement. Le dégagement du champion. Il s'est une nouvelle fois dégagé. Mais comment il fait quand c'est Jason Sol? On dirait qu'il a. Il a le courage de combattre avec son catch. Il suit les traces de son père. Qui a été l'un des plus grands champions intercontinental. Lui, il veut sûrement être l'un des plus grands champions des États-Unis. Il va peut-être réussir. Attention. À nouveau. Perfect plex. Again. Et un. Et deux. Et non. Sheamus qui se dégage. Oh non. Oh, quel match. Quel main event, les amis. Quel main event. On aime voir des matchs aussi chauds que cela. C'était vrai, vrai, vrai match. C'était vrai main event. Le mène au sol. Ah, petit affaiblissement. Petite prise d'affaiblissement de la part de Sheamus. Qui est très vite contre. Très vite, Jawbreaker de la part de Curtis Axel. Qui a l'air de s'être fait un peu mal au niveau de la tête. Oh, le coup de cordage dans le dos. Oh là là, quelle violence. Quelle violence celui-là. Il aime faire mal en giré. Ouh, le knif. La droite. Sheamus dans le coin. Oh oh. Curtis Axel qui va placer Sheamus sur cette troisième corde. On connaît la suite. On connaît la suite, les amis. Ouf, la droite, niveau de la tête. Enfin, dans la tête.
Une nouvelle droite. On connaît tous la suite. C'est le hambar. Ouh, depuis cette troisième corde. Curtis Axel qui est en train de provoquer, on dirait. Curtis Axel qui est en train de provoquer Sheamus, mais qui n'a pas bougé. Ouh, la droite. La droite sur Sheamus. Oh, oh Sheamus. La souplex jetée. Il l'a complètement jetée, elle est tombée. Et 1. Et 2. Et 3. Victoire de Sheamus, le guerrier celte qui va donc participer à Elimination Chamber pour une deuxième. Pour la troisième fois de sa carrière, si je me trompe pas. Ou quatrième, troisième ou quatrième fois de sa carrière. Si je ne me trompe pas, Sheamus qui va renouer avec la victoire, va-t-il remporter le titre de la WWE lors de Elimination Chamber? Évidemment, tout ça, va falloir attendre le pay-per-view. Donc la semaine prochaine, nous aurons donc. Le dernier match de qualification lors de SmackDown, les qualifications pour titre poids lourd, lui aussi sera défendu dans l'émission Uber, va continuer. Batista, que va-t-il choisir entre le WWE Championship ou le World Heavyweight Championship? On le saura évidemment dans de prochains épisodes. Il faut rester à l'affût, les amis. N'oubliez pas de suivre notre page Twitter, notre page Facebook, de suivre cette page YouTube où tous les lives sont retransmis. Et nous, on vous dit à la prochaine, les amis. Portez-vous bien et à la prochaine pour un prochain épisode. As much as this live crowd appears to have enjoyed it.